Dieu. Levons-nous pour la prière. Père céleste, nous te remercions ce soir, nous bénissons ton nom. Nous te remercions parce que tu nous as rassemblés une fois encore pour déverser tes bénédictions sur nos vies. Demandons, Seigneur, que personne ne rate tes bénédictions ce soir au nom de Jésus. Comme tu bénis ton peuple, fais de nous des canaux de bénédiction pour les autres. Donne-nous, Seigneur, l'amour pour ceux qui sont autour de nous, pour toucher leur vie et pour les amener dans les bénédictions de la croix. Te remercions pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Ésaïe 53. Ésaïe 53, verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. L'implication est, quand vous croyez au rapport, quand vous croyez au message, le bras de l'Éternel, la puissance de l'Éternel vous sera révélée. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il regarde au-delà du temps de l'écrit. Il regarde la naissance de Christ, la vie de Christ, la crucifixion de Christ. Il était si battu de plusieurs coups que quand les gens l'ont vu, il n'y avait aucune forme, aucune beauté, aucune beauté à cause des effets, des coups, des fouets sur son corps. Il est méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Les Romains l'ont dédaigné, les soldats l'ont dédaigné, les Israélites l'ont dédaigné. Ils ont dit crucifiez-le, crucifiez-le. Pilate a dit, vais-je crucifier votre roi? Il dit, loin de nous, crucifiez-le. Ils l'ont méprisé. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était le Père, connaissait le sacrifice. Et le Père a infligé le jugement qui nous appartenait sur lui. C'est quoi il dit? Frappé de Dieu et humilié. Parlant de la croix. Nous parlons de ce que Christ a fait sur la croix. Nous parlons de la honte qu'il a endurée. La douleur qu'il a subie. Nous parlons des souffrances qu'il a traversées. Nous parlons de l'agonie que Jésus-Christ a endurée sur la croix. Pourquoi? Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ses maîtrisures que nous sommes guéris. Le prophète nous dit que Christ viendra, le Fils de l'homme viendra. Il viendra faire le sacrifice final. Et ce sacrifice ôtera nos péchés, nos punitions, toutes les condamnations que nous devrions supporter. Ce sacrifice viendra prendre toute chose, prendra le péché, ôtera la maladie, ôtera l'esclavage, ôtera la malédiction.
12, verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. La provision universelle du salut. Personne ne peut dire, peut-être le salut n'est pas pour moi, peut-être la rédemption ne peut pas être à moi. Peut-être que je ne peux pas être sauvé. Peut-être qu'il n'est pas mort pour moi. Mais il a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Verset 7. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Ils l'ont conduit à Hérode. Ils l'ont conduit devant Pilate. Et Hérode lui a posé beaucoup de questions. Parce qu'il désirait le voir il y a longtemps. Mais le temps est venu. Et toutes les questions qu'Hérode a posées, il n'a répondu à aucune. Il est resté debout devant Pilate. Il avait une couronne d'épines sur sa tête. Et son dos saignait déjà à cause des coups. Alors, Pilate a commencé à lui poser des questions. Et il ne lui répondit rien. Ne me réponds-tu pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te libérer et le pouvoir de te crucifier? Dans le verset 8, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Il n'a pas commis de péché. Il n'a point péché. Pourquoi est-il mort? Pourquoi a-t-il été crucifié? Pour la transgression de mon peuple. Verset 9. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoi qu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Mais on l'a crucifié. Ils l'ont crucifié deux voleurs avec lui. Dieu merci, l'un d'eux est allé au paradis ce jour-là. Et quand il devait être enseveli, il a été enseveli dans le tombeau de Joseph d'Arimathée, le riche. Son tombeau avec le riche. Verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Verset 9 parle de sa mort. Parce qu'il parle de son tombeau avec le riche. Même avec le riche, ce ne fut parmi les méchants. Mais dans le verset 10, il dit, il ressuscitera, il se lèvera, il a plu à l'Éternel de le briser. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, ça c'est le sacrifice, ça c'est la mort, ça c'est la crucifixion, il verra une postérité et prolongera ses jours. Après la crucifixion, vient la résurrection. Après la crucifixion, vient la nouvelle vie. Après la résurrection, maintenant il prolongera ses jours. Mais il vivra éternellement. Une fois encore,
parce qu'il était vivant de toute l'éternité, et la croix, un point de référence pour notre salut. Maintenant, l'éternité continuera avec lui. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. L'agonie, quand il a prié sur la croix, il verra le résultat de ce travail. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi il est mort, pour porter nos iniquités et pour prendre nos péchés, pour prendre le pouvoir du péché et la punition du péché, pour tout enlever. Par conséquent, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il est ressuscité maintenant. Il a été tué, il a été crucifié. Maintenant, il est ressuscité. Et après la résurrection, la gloire. Après la résurrection, l'honneur. Après la résurrection, il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Pour qu'au nom de Jésus, tout, après cette résurrection, tout genou fléchira. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Verset 12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nom des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. En considérant cela, ce chapitre, chapitre 53 d'Ésaïe, vous voyez les bénédictions et les profits de la croix. 1 Pierre, chapitre 2, résume toutes choses pour nous. 1 Pierre, chapitre 2, 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son propre corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les maîtrises duquel vous avez été guéris. Et si vous voyez, Pierre, l'apôtre, résume toute chose que le prophète Ésaïe avait déjà regardé par anticipation lorsqu'il prophétisait, cela n'était pas encore produit. Ésaïe regardait l'avenir, quand ce Christ viendra, quand le Fils de Dieu viendra, et quand Jésus-Christ, celui qui est sans tâche, celui qui est sans péché, le Saint, lorsqu'il mourra sur la croix du calvaire, pour porter tes péchés, pour porter les péchés de tout le monde. Mais Pierre, maintenant, regarde maintenant la croix. Cela s'est déjà produit. La crucifixion a déjà eu lieu. La mort a déjà eu lieu. L'ensevelissement a déjà eu lieu. Et le dimanche était venu. Il est ressuscité le troisième jour. Maintenant, il est apparu à ses disciples et ils l'ont vu. Et maintenant, il a commencé à prêcher. Et plusieurs étaient déjà sauvés comme résultat de ce sacrifice. Plusieurs étaient guéris comme résultat de ce sacrifice. Maintenant, il dit, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Cet effet de la croix, cette bénédiction de la croix, les profits de la croix, continuent en disant jusqu'à ce jour, parce que c'est lui-même qui a porté le péché sur son propre corps, sur le bois, sur la croix, afin que nous, morts au péché, premièrement, morts au péché, nous nous identifions à Christ. Nous sommes crucifiés avec lui. Nous sommes morts avec lui, nous sommes ensevelis avec lui, nous sommes ressuscités avec lui. Et maintenant il dit, nous sommes morts au péché et nous devons vivre dans la justice. Et il dit, lui par les maîtres duquel vous êtes guéris. Je prie que les profits soient à nous au nom de Jésus. Nous allons considérer trois choses premièrement.
Priez pour posséder. Priez pour posséder les profits de la croix. Les profits sont là. Les profits sont nombreux. Les profits sont innumérables, innombrables, suffisants. Maintenant, pour que vous soyez possesseur, pour que vous soyez participant, vous devez prier et vous devez posséder. Les possesseurs sont là ce soir et vous faites partie d'eux. Priez pour posséder les profits de la croix. Deuxième point, prêchez pour élever la bannière de notre capitaine. Il est ressuscité. Il est le capitaine de notre salut. Il est le vainqueur. Il est le vainqueur. Il a vaincu Satan et la mort. Il a vaincu tous les ennemis de l'humanité. Il a vaincu tous les ennemis de l'Église. Nous devons élever sa bannière. Il est Christ. Il est notre capitaine. Prêchez pour élever la bannière de notre capitaine. Troisième point, préparez, persévérez du moins pour préparer l'épouse de Christ. Persévérez pour préparer, maintenant que Christ est mort, maintenant que Christ a versé son sang, maintenant que Christ est allé au ciel, maintenant qu'il est allé nous préparer une place pour les racheter du Seigneur, pour l'épouse, maintenant nous sommes là, et vous et moi, nous devons préparer de façon préférente dans la préparation pour préparer l'épouse de Christ. Premier point, priez pour posséder. Priez pour posséder les profits de la croix. Jérémie 29. Jérémie 29. Verset 11. 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Avant qu'il n'envoie Christ sur la croix, il pensait à vous. En fait, il savait la fin dès le commencement. Il savait que tu naîtrais dans cette génération. Il savait que tu seras un pécheur. Mais il savait que tu pouvais être sauvé. Et il voulait que tu sois sauvé. Il pensait à toi. Et à cause de toi, il a envoyé Jésus-Christ. Je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix. Il n'y a pas de paix pour les méchants. Et la seule manière d'avoir la paix, c'est à travers le prince de paix. Il n'y a pas de paix que vous pouvez avoir hors de Christ, qui est éternel. Mais ici, dit, projet de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Un avenir et de l'espérance. Et à la fin de chaque mois, il y a une fin. À la fin de chaque année, il y a une fin. À la fin de toute saison, il y a une fin. À la fin de la vie, il y aura une fin. Et tout le monde espère. Quand je viendrai à la fin de la vie, j'irai dans ce lieu espéré. Il nous donne Christ. Pour que nous puissions avoir cette fin espérée à la fin de la vie. Je prie que ce ciel tu y arrives. Alors, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Je crois que vous allez dire Amen. Et il va t'exaucer. Est-ce que tu peux dire ça? Il va m'exaucer. Il va t'exaucer. Il va exaucer tes prières. Toutes ces choses que tu lui demandes, déjà, elles sont là. Il espérait seulement que tu viennes. Ce n'est pas quelque chose que tu supplies comme un mendiant. Il dit, je les ai pour toi. La fin espérée, du salut jusqu'à la purification, je les ai pour toi. Tu dois prier. Tu dois venir me demander. Il dit, je vais t'exaucer.
vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Le calvaire a déjà pourvu toutes choses dont nous avons besoin. Le calvaire a pourvu tous les profits et toutes les bénédictions pour l'âme, pour le corps et pour l'esprit. Mais vous devez prier. Prier pour posséder. Prier pour posséder. Et tu vas posséder. Ézéchiel 36, verset 37. Ézéchiel 36, 37. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici encore sur quoi je me laisserai fléchir par la maison d'Israël. Voici ce que je ferai pour eux. Je multiplierai les hommes comme un troupeau. J'ai déjà pourvu les profits. Tout est disponible. Voilà pourquoi j'ai envoyé mon fils unique à la croix du calvaire, afin que toutes ces bénédictions de la croix soient à vous. Mais il dit, voici sur quoi je me laisserai fléchir par la maison d'Israël. Pour le faire pour eux, regardez ici s'il vous plaît. La maison d'Israël a raté les bénédictions et les profits de la croix. Les pharisiens ont dit, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Les sadducéens ont dit, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Christ est venu, il allait partout, guérissant les malades, et ceux qui étaient sous l'oppression, les pharisiens, n'ont jamais amené un malade à Christ. Tout ce qu'ils avaient, c'était des questions. Pourquoi ton maître mange avec les publicains? Pourquoi est-ce qu'il guérit le jour du sabbat? Pourquoi il fait ceci? Pourquoi il fait cela? Tous les profits étaient là pour eux. Mais Jésus-Christ a dit, je voudrais vous rassembler sous ma protection comme une poule rassemble ses poussins. Mais vous n'avez pas voulu. Jésus-Christ a regardé Jérusalem et il a pleuré sur Jérusalem. Si, oh, tu savais, ce jour, ce qui appartient à ta paix, mais cela est caché à toi. Mais voici ce sur quoi je me laisserai fléchir par la maison, les enfants d'Israël. L'apôtre Paul a commencé à prêcher l'évangile. Partout l'apôtre Paul allait, premièrement, il allait vers la synagogue. Il prêchait la parole aux gens, mais ils n'ont pas accepté. Et il a dit, puisque vous vous considérez indigne de la vie éternelle, voici, nous allons vers les païens et ils recevront cette parole de salut. Verset 37. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici encore sur quoi je me laisse réfléchir par la maison d'Israël. Voici ce que je ferai pour eux. Je multiplierai les hommes comme un troupeau. Maintenant, si vous allez, vous pouvez demander, Dieu va vous exaucer. Si vous pouvez recevoir, les bénédictions du calvaire viendront dans votre vie. Voici, voyez les bénédictions. Les bénédictions sont nombreuses. Je vais vous lire quelques-unes. Verset 11. Je multiplierai sur vous les hommes et les animaux. Ils multiplieront et seront féconds. Et vous allez croître. Je veux que vous soyez habités comme auparavant. Et vous allez oublier votre douleur. Et je vous ferai plus de bien qu'autrefois. Des jours meilleurs viennent. Une meilleure année est venue. Une meilleure vie est venue pour vous au nom de Jésus. Rappelez-vous. Voici ce quoi je me laisse réfléchir par la maison d'Israël pour le faire pour eux. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Et tu sauras qu'il est ton Seigneur. Verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés.
Vous serez purifiés. Le Seigneur va te purifier. Il va me ôter le souvenir de ce que tu as fait par le passé, loin de ta mémoire, loin de ta conscience. Et il va purifier ton cœur, il va purifier ton esprit, il va purifier ta conscience. Et cette condamnation qui te suit finira au nom de Jésus. Je répandrai sur vous l'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Rappelez-vous, voici sur quoi je me laisserai fléchir par la maison d'Israël. Pour le faire pour eux. Verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je crois que vous allez me donner grand-mère là-bas. Je vous donnerai un cœur nouveau. Un nouveau cœur. Et c'est venu. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Cela veut dire une nouvelle attitude, une nouvelle disposition, une nouvelle pensée et une nouvelle manière de réfléchir, de penser, une nouvelle vie. Et vous deviendrez une nouvelle personnalité, même ce soir au nom de Jésus. Et j'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ce sera facile pour toi de vivre de mener la vie chrétienne. Quand il te donne un nouveau cœur et l'esprit nouveau, il te donnera le Saint-Esprit. Alors tu pourras avancer. C'est pas la puissance du vent qui te pousse et que te fait avancer. Alors, tous les anciens chants, tu les oublieras. Les anciens chants. Oh, la voie n'est pas facile. Je vais au ciel. Parfois sur la montagne, parfois dans la vallée. Vraiment, ce n'est pas une voie. La voie n'est pas facile. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas sûr. Je pleure. Je gémis. Tous ces vieux chants disparaîtront. La joie du Seigneur sera ta force au nom de Jésus. Tu diras, voici le jour que l'Éternel a fait. Je vais me réjouir et je serai dans l'allégresse. Une nouvelle opportunité viendra. La nouvelle vie viendra. Une nouvelle personnalité viendra. Et ensuite, tu loueras le nom de l'Éternel pour toujours au nom de Jésus. Ainsi parle le Seigneur. Verset 37. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici encore sur quoi je me laisserai fléchir par la maison d'Israël. Voici ce que je ferai pour eux. Je dis qu'il le fera, mais tu dois demander, tu dois le lui dire, et tu dois plaider avec lui, et il le fera. Galates 3. Galates 3, verset 13. Galates chapitre 3, verset 13. Verset 13 dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Christ nous a rachetés, m'a racheté de la malédiction de la loi. Vous voyez, vous devez accepter ça. Vous devez cesser d'aller à terre pour qu'il prie pour vous. J'ai une malédiction sur ma vie. Ça, c'est ta confession. Ne comprends-tu pas? La confession apporte la possession. Ce que tu dis, tu le vois. Cesse ce type de confession. Christ t'a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour toi. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham est pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Ces bénédictions sont déjà là ce soir. Elles viendront sur ta vie. La bénédiction d'Abraham venant sur les païens par le Seigneur Jésus-Christ afin que, est-ce que tu fais partie d'eux? Et que nous, est-ce que tu fais partie de nous? Et que nous, est-ce que tu es un participant? Et que nous, est-ce que tu es un possesseur? Et que nous recevions par la foi l'esprit qui avait été promis.
Seigneur, je reçois. Quelqu'un là-bas, Seigneur, je reçois. Colossiens chapitre 1, verset 12. Colossiens 1, 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. Qui vous a rendu capable. Qui vous a rendu capable, digne. Qui nous a rendu propice d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Participants, possesseurs, et nous rend capables d'être participants de l'héritage des saints. Il nous a, dites-moi le mot suivant, il nous a comment, à haute voix, pourquoi est-ce que nous cherchons alors ce que nous avons? Pourquoi est-ce que nous courons quelque part? Courons ailleurs et nous cherchons ce qui est déjà là à tes côtés. C'est seulement demander. Plus de liens dans ta vie. Plus de calamités dans ta vie. Les accidents sont annulés de ta vie. La mort prématurée est annulée de ta famille. La délivrance totale. La délivrance totale. Tu jouiras de ta vie chrétienne. Et tu jouiras de tous les profits du calvaire au nom de Jésus. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Toutes ces puissances des ténèbres, quel que soit ce qu'elles ont fait, ces choses seront annulées et brisées de ta vie au nom de Jésus. Est-ce que tu as entendu ce chant? Prends mon intellect et utilise-le. Personne ne va enfermer ton cerveau. Personne ne va enfermer le cerveau de tes enfants. Certains disent, oh pasteur, priez pour moi. J'ai dit, quel est ton problème? Oh, c'est comme si ils ont pris un cadenas, ils ont enfermé mon cerveau et le cerveau de tous mes enfants. Et on dépense beaucoup d'argent, mais on ne réussit pas. Jésus-Christ a déjà ouvert le cadenas ce soir. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et il m'a transporté dans le royaume de son fils bien-aimé. Vous voyez cela? Nous avons la rédemption. Nous avons le salut. Nous avons la délivrance. Nous avons la domination. Seulement en demandant. Et comme tu demandes ce soir, le Seigneur va t'exaucer. En qui nous avons... Tu as quelque chose? En qui nous avons... Tu as quelque chose là-bas? En qui nous avons la rédemption, par son sang, le pardon des péchés. Tu ne cherches pas ça, tu l'as déjà eu. Éphésiens 3, 20. Éphésiens 3, 20. Oh, c'est quand? Maintenant. C'est quand la bénédiction? La bénédiction du calvaire. Toi, ta bénédiction, maintenant, à celui qui est capable, qui peut agir, qui peut faire part, la puissance qui agit en nous infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous. Elle va agir en toi. Priez pour posséder les profits de la croix. Deuxième point. Prêcher pour élever la bannière de notre capitaine. Notre capitaine, le capitaine de notre salut, il est mort, il est ressuscité encore, et il est devenu le capitaine, le conquérant. Voyez ceci, Hébreux 2, Hébreux chapitre 2, verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps, au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Il a souffert la mort pour toi.
Il a souffert la mort pour toi. Tu ne vas plus goûter cette mort au nom de Jésus. Verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils à la gloire. Moi, je fais partie de beaucoup de fils à la gloire. Beaucoup de fils à la gloire. Il t'amènera, te sortira du déshonneur, te conduira à la gloire. Il te sortira de la dégradation et te conduira à la gloire. Il te sortira de la souffrance, de la servitude, t'amènera à la gloire. Beaucoup de fils à la gloire. Regardez ceci. Est élevé à la perfection par les souffrances. Le prince de leur salut. Ça, c'est la souffrance de la croix. Parlant de prêcher pour élever la bannière de notre capitaine. Psaume 60. Élever cette bannière. La bannière de le Christ dans ta vie. Que la bannière du capitaine. Le capitaine de ton salut. Qu'elle soit hissée. Qu'elle soit hissée. Que les gens sachent que la bannière de la victoire. La victoire de la croix, la bannière de la victoire, du triomphe, la puissance triomphante de la croix. Qu'il sache que cette bannière est dans ta vie. Elle est élevée et ne baissera pas. Psaume 60, verset 4. Tu as ébranlé la terre, tu l'as déchirée. Verset 6, lui second. Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière pour qu'elle s'élève à cause de la vérité. Montre que Christ est mort pour toi. Montre que Christ a remporté cette victoire pour toi. Verset 7. Afin que mes bien-aimés soient délivrés, sauve par ta droite et exauce-nous. Verset 8. Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai, je partagerai Sichem, je mesurerai la vallée de Sukkot. À moi Galad, à moi Manassé, Éphraïm est le rempart de ma tête et Juda mon sceptre. Moab est le bassin où je me lave. Je jette mon soulier sur Édom, pays des Philistins. Pousse à mon sujet des cris de joie. Quelqu'un va triompher là-bas. Qui me mènera dans la ville forte, qui me conduira à Édom. Dieu dit, parce que Christ a remporté la victoire, maintenant tu peux élever cette bannière. Élève cette bannière. Prêche. Romains chapitre 1. Et tu prêches sa victoire. Tu prêches sa puissance triomphante. Et tu dis aux gens, tu le prêches de venir. Venez à Christ. Si vous n'avez jamais connu la victoire dans votre vie, une nouvelle victoire vous parviendra. Romains chapitre 1, verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. De quiconque croit. Ce salut sera à toi. Il appartient à ta femme. Il appartient à ton mari. Il appartient à tes enfants. Il appartient à tes voisins. Et dès que tu dis au Seigneur, il ne faut pas dire qu'ils ne vont pas accepter. Les choses sont différentes maintenant. Ils vont accepter. Pour quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Romains 10. Romains 10, verset 8.
prêches la parole, tu élèves la bannière de Christ et tu permets aux gens de savoir que Christ a vaincu et que Christ a porté leur péché et que dès qu'ils croient, ils viennent au salut et ils viennent à la justice. Verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, la parole de foi que nous prêchons, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu te détournes du péché et tu viens au Seigneur. Je ne peux pas me sauver, mais j'ai entendu que tu as porté mes péchés sur la croix du calvaire. Et je me confie à ton sacrifice. Je crois à ta substitution. Je crois à ce que tu as porté mes péchés. Tu as ôté mes péchés. Si tu crois dans ton cœur que Christ est mort pour toi et qu'il est ressuscité encore pour ta justification, tu seras sauvé. Car c'est du cœur, verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Et nous devons prêcher cela. Prêcher pour élever la bannière de notre capitaine. Et notez, nous allons noter ce mot en anglais. Et si vous voulez élever la bannière, vous devez élever la bannière. C'est un mot d'action. Vous devez faire quelque chose. Vous ne pouvez pas dire j'apprécie l'évangile, j'aime l'évangile, j'accepte l'évangile. Élève-le. Déclare l'évangile. Prêche-la. Parle aux gens. Partout où tu vas. Il faut élever la bannière. Un peu plus élevée. Un peu plus élevée. Que les gens le voient. Plus tu élèves ça haut, plus les gens verront que Christ a vaincu. Et Satan est tombé. Et dans ta vie, dans la vie de ta famille, continue à élever la bannière de notre capitaine. Élève. Prêche. Jusqu'à ce que les pécheurs entendent. Prêche. Jusqu'à ce que les pécheurs entendent. Tu prêches. Et les prêcheurs continuent à faire ce qu'ils font. Prêche davantage. Et les pécheurs, c'est comme s'ils ne prêtent pas attention. Continue à prêcher davantage. Jusqu'à ce qu'il y ait une prise de conscience. Prêche davantage. Jusqu'à ce qu'il y ait la conviction. Prêche encore. Jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent. Prêche encore. Jusqu'à ce qu'ils disent que pouvons-nous faire pour être sauvés. Élève. Prêche. Jusqu'à ce que les pécheurs entendent. Persuade. Jusqu'à ce que les moqueurs arrêtent. Commence à prêcher. Les gens se moquent. Tu commences à prêcher. Les gens en moquent. Tu n'arrêtes pas. Ne arrête pas. Continue. Continue. Élève cette bannière, la bannière de Christ. Et tu continues à élever ça. Tous ces moqueurs qui essaient de se moquer de ce que tu dis. Tu prêches jusqu'à ce que les moqueurs arrêtent. Jusqu'à ce qu'ils arrêtent leur moquerie. Continue à prêcher. Et tu prêches. Tu élèves. Persévère. Sous les troubles. Tu élèves la bannière de Jésus-Christ. Et il y a la persécution. Il y a des troubles. Il y a des oppositions. Il y a la résistance. N'arrête pas, n'arrête pas. Tu continues à élever. Tu élèves davantage la bannière de Jésus-Christ. Tout le monde doit voir. Tout le monde doit entendre. Ne les permets pas de te fermer la bouche. Ne les permets pas de te fermer la bouche. Élève la bannière de Jésus-Christ, le capitaine de notre salut. Persévère sous les troubles sérieux. C'est ce que ça veut dire élever. Parce que si tu ne persévères pas, un peu de défi, une petite difficulté,
une petite résistance, une petite opposition, une petite persécution, alors tu retournes dans ton coin. Ça ne marche pas comme ça. Continue à persévérer et tu vas persévérer. Quelqu'un là-bas va persévérer. Quelqu'un là-bas va élever. Dis quelqu'un là-bas va élever. Persévère sous de troubles terribles. Tu préserves les cœurs non compromettants et sanctifiés. Quand tu préserves et tu as ce cœur sanctifié non compromettant, alors le juste est aussi courageux qu'un lion. Pas de condamnation, pas de culpabilité. Rien que le diable pourra dire, ah, Jésus-Christ a dit, et toi, hein, est-ce que toi tu as sauvé, hein? Jésus-Christ a annulé toutes mes malédictions et ceci et cela. Tu préserves un cœur sanctifié non compromettant. Tu élèves. Tu dois soutenir la sainteté scripturaire. Ça c'est élevé. Il te dribble par là. Ce qui soit, c'est la sainteté. Quelqu'un te pousse par là-bas, voulant que quelque chose sorte de ta bouche. Mais ce qui sort, c'est la sainteté. Quelqu'un te pince par là-bas. Quelqu'un se moque un peu de toi. Quelqu'un essaie de t'attaquer. Et il pense que quelque chose d'amer va sortir. Il pense que quelque chose de satanique va sortir. Il pense que quelque chose de mal va sortir. Mais tu pousses, tu élèves permanemment et tu soutiens permanemment la sainteté scripturaire. Maintenant, tu sors le matin, le cri matinal. Et comme tu sors le matin, le cri matinal, quelqu'un là-bas qui a un chien dans la maison et qui laisse le chien aboyer pour que tu n'ailles pas devant cette maison. Chaque fois que tu arrives là-bas, le chien aboie. Qu'est-ce que je vais faire? Continue à élever. L'évangile doit être prêché. Et c'est toi le prédicateur. Et dis, c'est toi le prédicateur. Mon frère, tu es le prédicateur. Ma soeur, tu es la prédicatrice. Élève. Poursuis de façon imparable la moisson des âmes. Dans cette communauté, continue à élever. Dans cet environnement, continue à pousser. J'élève la bannière de Jésus-Christ. Je dis que Christ est plus grand que tout problème. Je dis que Christ est plus grand que toutes ces maladies. Je dis que Christ est le seul sauveur. Et même s'il y a des gens, ils ne prêtaient pas attention au départ. Mais quand tu commences à élever, continue à élever et tu poursuis de façon imparable la maçon des âmes, ils vont écouter. J'ai dit, ils vont écouter. La retraite prochaine, tes convertis viendront avec toi à la retraite. Tu ne seras pas stérile. Je vois des gens fructueux là-bas. Je dis, je vois des gens fructueux là-bas. Où sont les fructueux dont je parle? Tu seras fructueux dans le gain des âmes. Tu seras fructueux dans le service du Seigneur. Tu seras fructueux dans tes affaires, dans ta communauté. Tu seras fructueux dans ta famille. Parce que tu poursuis de façon imparable la moisson du gain des âmes. Élève, possède l'espoir unique. Tu as l'espoir dans le Seigneur. Je ne travaille pas en vain. Tu as l'espoir dans le Seigneur. Que je ne travaille pas en vain. Tu as l'espoir dans le Seigneur. Qu'il est parti te préparer une place. Je serai là. Tu dois élever. Élève la bannière du salut de Christ et de la victoire de Christ. Continue à élever. Élève, prêche jusqu'à ce que les pécheurs entendent. Élève, persuade jusqu'à ce que les moqueurs arrêtent. Élève, persévère sous de troubles terribles. Élève, préserve le cœur sanctifié non compromettant. Préélève, soutient permanent la sainteté scripturaire. Élève, poursuit
de façon imparable, la moisson, le gain de la moisson des âmes élève, possède l'espoir unique et durable. Ce pays t'est donné. Ta communauté t'est donnée. Prêche pour élever la bannière de notre capitaine. Troisième point, persévérer pour préparer l'épouse de Christ. Persévérer pour préparer l'épouse de Christ. C'est notre appel, frère pasteur, c'est notre appel, sœur, dirigeant des femmes, c'est là notre appel, dirigeant des jeunes, ouvrier parmi les jeunes, nous tous, même les croyants jeunes, c'est notre appel, nos frères du campus, c'est notre appel, nous préparons l'épouse de Christ. Les ouvriers de l'église des enfants, c'est ce que nous faisons, nous préparons l'épouse de Christ. Et vous devez amener l'épouse de Christ, être prête aujourd'hui, plus qu'elle était hier. Chaque message que vous donnez, chaque chant que vous chantez, chaque témoignage que vous donnez, chaque encouragement que vous donnez, chaque œuvre que vous faites, qu'est-ce que vous faites? Vous faites cela afin que l'épouse de Christ aujourd'hui soit préparée plus qu'elle l'était hier. L'église est l'épouse. Voyons 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11, verset 2. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Vous présenter comme une vierge pure. L'épouse à Christ. Éphésiens, chapitre 5, 25. Éphésiens 5, verset 25. Voici ici, parlant de l'époux de Christ. Ce que vous faites pour préparer l'épouse de Christ. Il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Gérez cette parole et qu'elle purifie l'épouse de Christ. Prêchez cette parole, qu'elle lave, purifie les infimités, les impuretés de l'épouse de Christ. Chantez cette parole. Et que la parole, les paroles des chants et la présentation purifient l'épouse de Christ. Aidez et conseillez ces femmes. Et que l'aide et le conseil purifient ces femmes. Et les prépare davantage pour le retour du Christ. Conseillez et aidez, soutenez, soyez d'encouragement pour ces personnes là-bas. Afin que tes paroles, la parole de Dieu, lave et purifie les gens à que tu conseilles. Verset 27. Pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Que votre ministère, que votre influence, soit que vous préparez l'épouse de Christ. D'une main, vous invitez les gens du dehors à venir dans la grâce de Dieu, dans l'évangile de Christ. Et avec l'autre main, ceux qui sont dedans, les croyants, les enfants de Dieu, vous les aidez, vous les purifiez, vous les lavez, vous les amenez davantage prêts pour le retour du Seigneur. Voyons Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19. Lisons le verset 6. Apocalypse chapitre 19, verset 6. Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant Alléluia.
car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne et il régnera dans ta vie. Il règnera sur ta famille. Il règnera sur tous tes problèmes. Et il t'amènera à t'associer, à t'identifier avec lui. Tu régneras avec lui. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. Son épouse s'est préparée pour voir l'eau, pour voir le lieu, pour voir le savon, pour voir toutes les choses nécessaires par cette épouse, afin qu'elle sache que l'eau de la parole est là, la foi qui croit, elle est là, et le lieu, le bâtiment d'église, où elle entendra cette parole, et qu'elle puisse vraiment recevoir la parole. Ce lieu aussi est là. C'est ce que tu peux faire pour voir le lieu, pour voir l'eau de vie, pour voir l'eau de la parole, pour voir tout ce dont elle aura besoin, l'épouse, pour se laver, pour se purger, pour se préparer pour le retour de Christ, l'époux. Et lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Préparez l'épouse et nous le ferons. J'ai dit, tu le feras. Mais rappelle-toi toujours, rappelle-toi toujours, rappelle-toi toujours. Chaque fois que tu as l'opportunité d'interagir, d'influencer, d'aider, d'enseigner, de prêcher aux enfants de Dieu, rappelle-toi toujours. L'objectif, c'est que tu dois persévérer dans la préparation de l'épouse de Christ. Prépare l'épouse, premièrement. Prépare. N'empêche pas. Quelqu'un veut être purifié. Aide. Quelqu'un veut être saint. Donne une main d'association. Quelqu'un veut se rapprocher de Christ. Ne décourage pas. Encourage. Prépare. N'empêche pas. Deuxièmement, purifie, ne pollue pas. Purifie, ne pollue pas. Dans tes témoignages, ne dis rien qui va rappeler aux gens la vie sale du passé. Ne dis rien qui est si délicat que quand les gens entendent, au lieu de penser au ciel, au lieu de penser à la sainteté, au lieu de penser à combattre plus pur que le diamant, il pense à quelque chose qui tente. Ne fais pas ça. Tu purifies, ne pollue pas. Polis et ne punis pas. Comme nous sommes en interaction avec les gens, enfants de Dieu, c'est ce qu'ils sont. Les enfants de Dieu. Je pose la question. Si tu es un enseignant et l'un des enfants d'un président du pays, du président du pays est dans ta classe, comment vas-tu enseigner à cet enfant? Que diras-tu à cet enfant? Comment vas-tu traiter cet enfant, l'enfant du président de, dans ta classe, en tant qu'enseignant, enfant de Dieu? Dieu le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le président de tout l'univers. Maintenant, tu as l'opportunité d'enseigner, d'aider, d'illuminer les enfants de Dieu, l'église de Dieu,
l'époux de Christ, poli et ne punit pas, rend les meilleurs, rend les brillants, rend les illumine les, rend les plus purs, plus qu'ils n'étaient avant de venir chez toi. Quatrièmement, purge et ne profane pas. Purge. Nous sommes dans le ministère. Dans notre ministère, nous essayons d'aider l'épouse de Christ pour être prête. Et tu veux que ta contribution, tu veux que ta part du ministère contribue quelque chose à l'élévation de l'épouse de Christ, à l'encouragement de l'épouse de Christ. Tu veux que tout ce que tu feras élève l'épouse de Christ plus élevé, plus haut dans la gloire, plus gloire dans le haut dans le Seigneur. Purge et ne profane pas. Cinquièmement, tu parfais et ne pervertis pas. Tu parfais et ne pervertis pas. Dans tes interactions avec les autres, tu penses, quelle est mon influence sur eux? Quel est le résultat de mon ministère envers eux? Quel est mon partage? Qu'est-ce que cela accomplit? Mes actions. Comme je projette et je présente quelque chose à l'église. Qu'est-ce que cela fait? Est-ce que cela parfait les gens? Ou est-ce que ça pervertit les gens? Premièrement, prépare, n'empêche pas. Deuxièmement, purifie, ne pollue pas. Trois, polis et ne punis pas. Quatre, purge et ne profane pas. Cinq, parfait et ne pervertis pas. Six, promeut et ne provoque pas. Nous préparons des gens pour rencontrer le Seigneur. Et nous savons, et je crois à la Bible dit, Christ peut venir à tout moment. Si vraiment je crois, si véritablement je crois, si tu véritablement tu crois aussi que Christ peut venir à tout moment. Et voici ton frère. Un frère innocent. Voici ta sœur. Une sœur innocente. Peut-être elle ne connaît pas tout ce qu'elle doit connaître. Et tu la provoques à la colère. Tu le provoques à quelque chose d'impur. Tu la provoques à mal se comporter. Qu'est-ce que nous gagnons? Ça, c'est un membre du corps de Christ. Elle fait partie de l'épouse de Christ. Et au lieu de promouvoir de foi en foi, de grâce en grâce, de salut en sanctification, au lieu de les promouvoir, nous les provoquons. Au lieu de rassembler avec Christ, nous dispersons. Au lieu d'amener quelqu'un à dire, je vais suivre le Seigneur, je ne vais jamais abandonner le Seigneur, je vais suivre le Seigneur jusqu'à ma mort, nous les amenons à dire, je ne sais pas s'il va vouloir continuer ou pas. Hein. Le découragement est beaucoup. Vraiment, je suis en paix quand je suis au dehors. Mais quand je rentre dans l'église, c'est comme ce que j'ai pas ce que j'ai fait. On me tourne vraiment, on tourne là-bas. On me provoque vraiment, je ne sais pas là où je vais rester. Il faut faire la promotion et ne les provoque pas. Septièmement, présente et ne possède pas. Présente et ne possède pas. Laisse-moi vous montrer ce que je dis. Colossiens, chapitre 1. Colossiens, chapitre 1, verset 28. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Vous savez, l'Église est l'épouse de Christ. Nous ne devons pas posséder cette Église. Ça veut dire quoi? Vous êtes ouvrier. Vous êtes un dirigeant de section. Vous ne devez pas
garder l'Église, les membres, l'un des membres, comme une propriété personnelle, les possédant, garder dans la servitude, les maintenir dans la peur, qu'ils ont peur de toi plus qu'ils ne craignent Dieu. Ils tremblent. Chaque fois qu'ils te voient, tu les possèdes. Alors, c'est comme si nous avons un maître. Et ce maître a une femme. Et c'est toi, l'ouvrier, employé par le maître. Pour prendre soin de certaines sections dans la vie de la femme. Soit pour entretenir la maison, balayer la maison, ou peut-être à la cuisine, ou faire quoi que ce soit. Et maintenant, au lieu de prendre soin de cette femme, tu possèdes la femme. Et la femme est intimidée. La femme a peur de toi, plus qu'elle ne craint même son mari. Elle se dit, quand elle n'est pas loyale envers toi, tu es ouvrier, employé par le maître, pour prendre soin de la femme. On prend soin de certaines choses de la femme et tu possèdes au lieu de présenter l'épouse à Christ. Ça, ce n'est pas correct. Laissons les choses aller. Nous ne voulons pas d'esclaves. Nous sommes sortis de l'esclavage. Nous ne sommes plus en servitude. Même la servitude du monde est annulée. Ne retient plus personne en esclavage. Tu dois présenter le corps de Christ et l'épouse. Présente-les à Christ. Saint, pur, chaste. Et Dieu t'aidera. Le Saint nous dit que Christ est mort sur la croix. Il est ressuscité des morts. Et c'est maintenant pour nous de faire partie des privilèges de préparer l'épouse et ne pas l'empêcher. Purifier l'épouse et non la polluer, polir l'épouse et non la punir, purger et non la profaner, parfaire et non la pervertir, promouvoir et non provoquer, présenter et comme une vierge pure, chaste, sainte à l'Éternel, au Seigneur, et non la posséder. Ne fais pas de l'église, ne mets pas l'église en servitude sous ta main de fer et Dieu nous aidera. Les profits de la croix, les bénédictions de la croix et nous sommes là pour les posséder. Nous sommes là pour élever la bannière du capitaine et nous sommes là pour préparer et parfaire l'épouse de Christ. Tu fais partie de l'équipe gagnante. J'ai dit tu fais partie de l'équipe gagnante. Et nous allons faire cela ensemble. Et Dieu bénira ta vie à travers toi. Les bénédictions couleront dans la vie des gens du monde et les amènera dans la foi. Ensuite, à travers toi, le Seigneur va parfaire les saints, l'épouse de Christ. Au nom de Jésus, levons-nous et parlons à Dieu dans la prière. Sois un possesseur ce soir. Sois participant ce soir. Dis Seigneur, me voici. Je le ferai. Vous ferez partie de l'équipe gagnante. Partie de l'équipe en progrès. Ce soir, nous sommes prêts à progresser. Parle au Seigneur. La restauration est disponible. Parle au Seigneur. Le plein salut est disponible. Parle au Seigneur. Un nouveau cœur est disponible. Parle au Seigneur. Un nouvel esprit est disponible. Parle au Seigneur. La guérison est disponible. Parle au Seigneur. La délivrance est disponible, parle au Seigneur. Tes besoins sont disponibles, parle au Seigneur. Dis Seigneur, me voici. Le calvaire doit faire quelque chose en moi, dans ma vie ce soir. Christ a tout payé. Jésus a tout payé. Toutes tes têtes, tes condamnations, il a souffert pour tout cela. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Et c'est à toi. Jésus a vaincu. Satan est tombé. Jésus est victorieux. C'est le capitaine. Il est le conquérant. Élève la bannière
la bannière de sa victoire. Élève-la, élève-la. Et dis au Seigneur, je vais continuer à prêcher jusqu'à ce que les pécheurs entendent. Continue à persuader jusqu'à ce que les moqueurs arrêtent. Continue à persévérer sous les troubles difficiles. Élève, élève-la. Élève-la. Ne sois pas sous les pieds du diable. Sors de là. Et que le diable, Satan, que tous ces puissants maléfiques soient sous tes pieds. Ce soir, tu es victorieux. Partage la victoire de Christ. Et préserve la sanctification, un cœur non compromettant. Élève permanemment la sainteté. Poursuis. N'arrête pas, poursuis. Ne sois pas retardé, poursuis. Ne fais pas demi-tour, poursuis. Courageusement. De façon imparable, la moisson du gain des âmes. Tu as de l'espoir qui soutient. L'espoir qui ne peut être détruite. L'espoir en Christ. L'espoir dans le Seigneur. Tu remporteras la victoire. Viens contribuer ta part en préparant l'épouse de Christ. Viens, viens, viens. Que ta place de ministère ne soit pas vide, vacante. Prépare l'épouse. Purifie l'épouse. Polie l'épouse. Purge l'épouse. Parfait l'épouse. Promeut l'épouse. Jusqu'à ce que tu puisses dire, par la grâce de Dieu, je fais partie de l'équipe présentant l'épouse à Christ en tant que vierge chaste. Confie-toi à préparer l'épouse pour le retour de Christ. Au nom de Jésus, nous prions. Les saints vainqueurs disent, le calvaire a payé ta pénalité. Le calvaire a ôté ta punition. Le calvaire a ôté ta pauvreté. Le calvaire a guéri ton corps. Le calvaire t'a délivré. Le calvaire te donne la domination. Et le calvaire te donne le pouvoir. Le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et le calvaire a pourvu toutes choses suffisantes pour chacun ce soir. Tu es un participant. Où es-tu? Tu es participant. Que ta douleur disparaisse. Que tes larmes se dessèchent. Parce que le calvaire a pensé à toi. Le calvaire a pensé à toi. Et maintenant, je connais les pensées, les projets que j'ai formés sur vous. Projet de paix. Projet de victoire. Projet de joie. Et projet de guérison et de bonne santé. Et projet de joie. Et ton mouvement en avant va commencer. Il sera imparable à partir de ce jour. Lève ta main. Et possède, Père, au nom de Jésus. Nous te remercions parce que le calvaire a payé tout prix et toute dette de chacun. Et je prie que tu amènes ton peuple dans le salut total plein au nom de Jésus. Pour l'âme, pour le corps, pour l'esprit, en libère ton peuple au nom de Jésus.
Seigneur, je prie que tout ce que Jésus-Christ a pourvu sur la croix du calvaire pour pourvoir pour son peuple, que chaque frère ici, que chaque soeur ici, que chaque jeune ici, que chaque garçon, chaque fille, chaque élève soit participant au nom de Jésus. Ôte les douleurs, ôte les souffrances, ôte les maladies. Seigneur, je prie, qui est la victoire totale, je prie, qui est la domination totale, je prie, que nous puissions aller de foi en foi et de grâce en grâce, de puissance en puissance, au nom de Jésus. Toute condamnation du diable, Seigneur, que le calvaire annule ça de chaque vie. Et toute pensée qui t'affaiblit, toute pensée qui t'amène à te voir comme un rat, je prie, Seigneur, enlève-la de la vie de ton peuple au nom de Jésus. Je prie que l'esprit du lion de Juda vienne dans la vie de chacun maintenant. Le courage pour vivre, la conviction pour vivre, la puissance pour vivre, donne-les à chacun au nom de Jésus. Et tout ce qui est votre souci sur votre femme, votre souci sur votre mari, ou vos préoccupations vis-à-vis de votre famille, préoccupations sur vos enfants, vos préoccupations par rapport à vos affaires, vos préoccupations sur votre vie, je prie que le calvaire apportera la solution maintenant au nom de Jésus. Vous êtes délivrés. Vous êtes délivrés de la puissance des ténèbres et vous êtes transférés dans le royaume de son fils bien-aimé. Venez dans le sous le soleil. Venez à la lumière du jour. Venez dans la délivrance du Seigneur au nom de Jésus. Les ennemis ne régneront pas sur vous. Les puissants des ténèbres ne régneront pas sur vous. Levez-vous et régnez. Levez-vous et régnez. Levez-vous et régnez. Les impossibilités seront possibles pour vous. Tous ces ennemis seront dispersés quand ils entendront la voix du Fils de l'homme parlant en vous. Ils sont déjà dispersés de votre vie au nom de Jésus. Que ce jour soit un nouveau jour. Ce mois, un nouveau mois. Cette année, une nouvelle année. Et cette vie, une nouvelle vie. Et tout nouveau, tout nouveau, tout nouveau. Un nouvel esprit, un nouveau cœur, une nouvelle décision. Une nouvelle dispensation, tout nouveau, viendra dans votre vie au nom de Jésus. Et les bénédictions que vous recevez quand vous participez au calvaire seront permanentes. Et je verrai la gloire de Dieu brillante sur votre visage, brillant dans votre vie. Quelque chose s'est produit. La puissance est venue à vous et vous élevez la bannière du capitaine. Partout où vous allez, vous serez du côté des vainqueurs. En Christ, vous régnerez. À travers vous, Christ va remporter la victoire. À travers vous, le royaume de Dieu gagnera. Et en aidant à préparer l'épouse de Christ, votre part ne fera pas défaut. Et toute bonne chose que vous ferez, toute bonne chose que vous ferez en préparant l'époux pour être prête pour le Seigneur, prête pour le retour de Christ, vous serez compensé au nom de Jésus. De grandes bénédictions soient sur votre vie, la protection sur votre vie, la bonté inépuisable sur votre vie. Vous réjouirez toujours dans le Seigneur. Seigneur, confirme-le dans chaque vie. Je te remercie pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions.